faire comme si de rien n'était, alors que dehors, il y a le contexte qu'il y a dans ces derniers jours. Un crime du coup éminemment raciste et qui révèle, à contrario de tout ce que veulent nous vendre les médias et les politiciens bourgeois, le caractère normal et absolument systématique de ce qu'est la police de classe et les intérêts qu'elle défend et que nous, Arabes, on revendique de détruire. La question de la solidarité concrète avec nos frères de classe, car au-delà de ce qu'on a pu voir, l'aspect émergé de l'iceberg, c'est-à-dire le raid dans les rues, les morts, les tirs à balles, il y a aussi l'aspect immergé de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a un déferlement judiciaire sans précédent et absolument terrifiant dans notre pays, c'est-à-dire que ces 3000 jeunes de 15, 16, 17, 13 ans qui sont systématiquement déférés et emmenés à la casse-prison, c'est-à-dire que le soir, ils sortent, rentrent coup pour coup pour la police, le lendemain, ils sont à Fresnes. Et face à ça, on a Spike qui a accepté de poser une caisse de soutien d'une legal team, c'est-à-dire des avocats militants. Des avocats militants pour proposer une défense gratuite judiciaire. Et au-delà de ça, on va vendre 60 affiches du coup à prix libre qui iront directement dans ces caisses-là. Donc voilà, pour Arak, on vous invite à les soutenir. Et pour finir, du coup, de Minneapolis à Nanterre, un flic, une balle, justice sociale.
Yeah.
Thank you.
Merci. Merci. Merci.